I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. This God is a good God. You can call him a miracle, miracle. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Oh, this God is a good God. You can call him a miracle. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. This God is a good God. You can call him a miracle. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. This God is a good God. You can call him a miracle. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. This God is a good God. You can call him a miracle. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. This God is a good God. You can call him a miracle. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à notre session spéciale d'enseignement sur le ministère. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité, ce privilège renouvelé qu'il nous accorde en ce soir de pouvoir nous asseoir à ses pieds, de pouvoir opter pour la bonne part dans le but de recevoir une parole qui va certainement apporter un plus dans nos vies, une parole qui va nous transformer, une parole qui va nous bénir, une parole qui va nous équiper, une parole qui va ouvrir notre entendement dans l'oreille spirituelle, une parole qui va nous guérir certainement, une parole qui va ranimer la flamme de l'onction au-dedans de nous. Donc je souhaite déjà la bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Je vous souhaite la bienvenue, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Vous avez choisi la bonne part ce soir et vous ne serez pas déçus. Nous ne pouvons pas compter sur le Seigneur et être déçus. Nous ne pouvons pas nous attendre à Dieu et être déçus. Donc, si tu es connecté ce soir, c'est certainement parce que l'Éternel a quelque chose à accomplir dans ta vie. Donc, bonsoir déjà à Laura, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Voilà, donc nous allons partager pour pouvoir sensibiliser la masse, pour pouvoir inviter nos frères et nos sœurs à rejoindre ce groupe de formation ministérielle. Alléluia. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. This God is a good God. You can call him a miracle. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. This God is a good God. Bonsoir Viviane Iyimi. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés, qui ne m'ont pas encore salué. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. You can call him a miracle. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. You can call him a miracle. Miracle, papa. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty.
This God is a good God. You can call him a miracle. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. This God is a good God. You can call him a miracle, miracle, Papa. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. You can call him a miracle. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous te donnons l'honneur, la puissance et la gloire en ce soir pour ta fidélité et ton amour. Seigneur, merci pour la rencontre de ce soir. Merci pour ceux qui sont déjà là. Merci pour ceux qui vont nous rejoindre. Seigneur, je te rends grâce pour la présence de mon frère, pour la présence de ma soeur, pour ma présence. Seigneur, je te dis infiniment merci parce que en ce soir, tu vas encore nous parler. Tu vas encore, Seigneur Dieu de gloire, apporter un plus dans nos vies. Nous te disons merci pour cette formidable journée. Journée au cours de laquelle tu n'as cessé, Seigneur, de combattre pour nous dans le règne visible comme invisible. Journée durant laquelle tu nous as fortifiés. Journée durant laquelle tu as pourvu pour nous. Journée durant laquelle tu nous as rendu ministère d'une façon ou d'une autre. Nous apprécions, Seigneur, tes bienfaits dans nos vies. Nous apprécions ta fidélité et ta bonté dans nos vies. Nous apprécions tes œuvres merveilleuses, tes œuvres extraordinaires, tes œuvres grandioses, tes œuvres éternelles de gloire incomparables, inégalables et incontestables. Seigneur, sois célébré. Nous te disons merci pour ce que tu as fait lundi. Merci pour le ministère évangélique. En ce soir, tu nous amèneras davantage dans les profondeurs de la connaissance, les profondeurs de l'intimité. Je prie afin que tu disposes nos cœurs à pouvoir écouter et que tu nous disposes à pouvoir prendre les notes comme il le faut et comme il se doit au nom souverain et glorieux de Jésus. Nous te recommandons, Seigneur, chaque minute, chaque seconde. Et nous disons, prends le total contrôle. Saint-Esprit, instruis-nous, conduis-nous, parle-nous, rends le ministère au nom souverain et glorieux de Jésus. Que ton nom soit exalté dans la vie, Seigneur, de mes bien-aimés. Que ton nom soit exalté et glorifié dans la vie de tes enfants qui sont connectés et qui ont saisi la vision de la mission des au nom souverain et glorieux de Jésus. Reçois toute la gloire, Seigneur, parce que tu nous as déjà parlé. Tu nous as déjà rendu ministère. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit béni, au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tous ceux qui sont connectés peuvent me donner trois bons amen? Amen. Tous ceux qui sont connectés, trois bons amen. Bonsoir, David, Amia, Laura, Viviane et Yimi. Bonsoir, bienvenue à vous. Merci de partager déjà. Ok. Nous allons continuer ce soir avec notre cours, notre leçon, la leçon 4. La leçon 4, puisqu'il s'agit de ça. Ok. Leçon 4. Nous avons entamé la deuxième partie, à savoir les dons ministériels, dans les ministères spécifiques. Donc, le lundi passé, nous avons entamé avec le ministère évangélique, et je crois que ce soir, Dieu nous parlera davantage. Amen. D'accord. Laura dit Amen fois trois. Apparemment, elle aimait les tables de multiplication. Alléluia. D'accord. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, ma fille. Bienvenue à toi. Nous allons continuer. Donc, nous avons vu en petit 1 dernièrement les différentes raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. Nous avons dit premièrement que c'est un commandement divin. Deuxièmement, nous avons dit que c'est l'essence de la vie chrétienne. En troisième point, nous avons dit que l'évangélisation permet de faciliter la croissance. C'est un instrument de croissance de l'Église.
Quatrièmement, nous avons dit que l'évangélisation est une arme. Est une arme contre les flèches, contre les attaques de l'ennemi. Ça fait partie des armes qui nous permettent de résister à l'ennemi. Et nous avons également dit au cinquième point que l'évangélisation nous impose un style de vie. Sixièmement, évangéliser, c'est s'impliquer dans l'œuvre libératrice et salvatrice. Le prochain point que nous avons vu, c'est que évangéliser nous permet de marcher sur le modèle tracé par Jésus-Christ lui-même. Et huitième point, nous avons dit que l'évangélisation nous permet de manifester le potentiel que Dieu a mis en nous. Amen. Neuvième point, l'évangélisation, nous devons évangéliser à cause de l'urgence, de la fin du temps, à cause du retour imminent de Jésus. Le dixième point, nous avons dit que l'évangélisation nous permet de prendre possession des récompenses célestes. Ça nous donne accès aux récompenses célestes. Tu peux ajouter un onzième point, l'évangélisation permet de redresser le caractère humain. L'évangélisation permet de redresser le caractère, de donner une forme aux hommes. C'est le onzième point. Le douzième point, l'évangélisation est l'arme qui réjouit et satisfait le cœur de Dieu. C'est l'arme qui réjouit et satisfait le cœur de Dieu. Amen. Donc c'est l'âme qui réjouit et satisfait le cœur de Dieu. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Nous allons continuer ce soir avec le petit 3, le ministère de Jésus comme évangéliste. Est-ce que tu es là? Petit 3, le ministère de Jésus comme évangéliste. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons également vu le petit 2 sur quelques définitions. Des mots grecs, on parle de wagelizo qui est l'évangélisation, wagelis l'évangéliste, evangelion qui est l'évangile même. Ce soir, nous allons continuer avec le petit 3. Si tu es prêt, fais-le-moi savoir. Dis-moi simplement, prophète, je suis prêt ou je suis prête. Amen. Et nous allons continuer. Gloire à Dieu. Ok. Petit 3, le ministère de Jésus comme évangéliste. Are you ready? Le ministère de Jésus comme évangéliste, petit 3. Le Seigneur Jésus est l'évangéliste par excellence. Le Seigneur Jésus est l'évangéliste par excellence. L'évangéliste par excellence. Son ministère terrestre touchait les saints dons ministériels. Son ministère terrestre touchait les saints dons ministériels. Ça touchait les saints dons ministériels. Il est important d'étudier le ministère évangélique de Jésus. Il est important d'étudier le ministère évangélique de Jésus. D'étudier le ministère évangélique de Jésus, premièrement en tant que modèle, deuxièmement
accompli, servi Dieu dans sa volonté parfaite. Servi Dieu dans sa volonté parfaite. Servi Dieu dans sa volonté parfaite. Troisièmement, créer l'impact dans l'évangélisation. Il est important d'étudier son ministère évangélique afin de pouvoir, comme modèle d'évangélisation. Deuxièmement, pour servir Dieu selon la volonté parfaite de Dieu. Troisièmement, pour pouvoir créer de l'impact véritable. Amen. Premier tiret. Le ministère évangélique de Jésus a été prophétisé par Isaïe. Son ministère évangélique fut prophétisé par Isaïe. Son ministère évangélique fut prophétisé par Isaïe. Non, le ministère de Jésus comme évangéliste fut prophétisé par le prophète Isaïe. Et le prophète Isaïe est considéré comme un prophète messianique. Il fait partie de la catégorie des prophètes majeurs. Amen. Son ministère évangélique fut prophétisé par Isaïe. Isaïe 61, verset 1. Isaïe 61, verset 1. Isaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1. Deuxième tiret. Confirmé par Jésus lui-même. Donc, son ministère évangélique fut confirmé par Jésus lui-même. Donc, prophétisé par Ésaïe, premièrement. Deuxièmement, confirmé par Jésus. Quelle est la différence entre les prophètes majeurs et les prophètes mineurs? Donc, selon la Bible. Et combien y a-t-il de prophètes majeurs dans la Bible? C'est une question. Nous sommes à l'école, non? Voilà. Donc, je crois que j'ai le droit de poser des questions. Quelle est la différence entre un prophète majeur et un prophète mineur? Selon la Bible, selon la Bible, selon les écrits. Lorsqu'on distingue dans la Bible les prophètes majeurs, les prophètes mineurs, quel était le critère de distinction? Donc, qu'est-ce qui caractérisait les prophètes majeurs? Qu'est-ce qui distinguait les prophètes majeurs des prophètes mineurs? Et combien de prophètes majeurs il y avait dans la Bible? Une question. Donc, prophétisé par Isaïe, Isaïe 61, verset 1 qui dit: L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Dans cette version, il est écrit: Le Seigneur m'a oint. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer au captif la libération, aux prisonniers leur élargissement, ainsi de suite. Voilà, donc le ministère évangélique de Jésus fut confirmé par Jésus. Amen. Luc chapitre 14, verset 18 à 19. Confirmé par Jésus. Luc 14, 18 à 19. Nous voyons Jésus qui reprend le prophète Isaïe. En disant, l'Esprit du Seigneur sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, ainsi de suite. Donc, vous comprenez que lorsque Isaïe parlait, lorsque Isaïe prophétisait, il ne parlait pas de lui-même. Mais il le parlait plutôt de Jésus en disant, l'Esprit du Seigneur sur moi, car il m'a oint. Car il m'a oint. Et Jésus vient reprendre cette prophétie du prophète Isaïe pour confirmer son ministère en tant qu'évangéliste. Amen. Est-ce que nous sommes là? J'ai posé une question, personne ne répond. Qu'est-ce qui se passe? Je nous donne 15 secondes. Si personne ne se manifeste, on continue. Il n'y a personne.
Ok, ici la personne, on va continuer. D'accord, nous écrivons selon ces passages. Selon ces passages. Donc, Esaïe 61, Luc 4, selon ces passages. Il y avait six choses qui devaient caractériser le ministère de Jésus comme évangéliste. Selon ces passages, il y avait six choses qui devaient caractériser le ministère de Jésus comme évangéliste. Je posais la question, personne ne répond. Quand on ne connaît pas, il faut moi je dis bon, quand on ne connaît pas, c'est mieux. Puisque nous ne sommes pas, il n'y a pas de contact physique entre nous, du coup, bon, je ne peux pas savoir. Et tout. Amen. Quelle est la différence entre les prophètes majeurs et les prophètes mineurs dans la Bible? Donc, dans la Bible, les prophètes de la Bible, là, on parlait des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Quelle est la différence entre les deux? Pourquoi est-ce qu'on appelait certains prophètes les prophètes majeurs? Pourquoi on appelait d'autres les prophètes mineurs? Et qu'est-ce qui caractérisait un prophète majeur dans l'Ancien Testament? Ok. Selon ce passage, il y avait six choses qui devaient caractériser le ministère de Jésus comme évangéliste. 1. Ou petit A, prêcher l'évangile aux pauvres. Prêcher l'évangile aux pauvres. Prêcher l'évangile aux pauvres. Prêcher l'évangile aux pauvres. B. Guérir les cœurs brisés. Guérir les cœurs brisés. Il s'agit de la guérison de notre homme intérieur, la guérison de l'âme, de notre homme intérieur. Guérir les cœurs brisés. Donc Jésus est également venu pour ça. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent des maladies psychologiques et émotionnelles. Des personnes qui ont vécu le rejet, qui ont été sujettes à des paroles dures, à des paroles amères depuis leur enfance. Des personnes qui n'ont pas connu l'amour parental, des personnes qui ont vécu des déceptions sur le plan sentimental, des personnes qui ont subi des frustrations dans leur vie. Ce genre de personnes ont besoin de Jésus. Donc la maladie n'est pas seulement physique. Ce n'est pas seulement lorsqu'on parle du sida, du palu, de la tuberculose, de la coqueluche, ainsi de suite. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Donc, il y a également les cœurs qui sont brisés à des personnes qui souffrent des maladies émotionnelles. Et ce genre de maladies sont même parfois plus graves, ce qui amène les gens à se livrer parfois au suicide et même abandonner la foi carrément. Amen. Donc, prêcher l'évangile aux pauvres, guérir les cœurs brisés. 3. Prêcher la délivrance aux captifs. Prêcher la délivrance aux captifs. Prêcher la délivrance aux captifs, c'est le petit c'est si vous voulez. Prêcher la délivrance aux captifs. De redonner la vue aux aveugles. Redonner la vue, autant pour moi, redonner la vue aux aveugles. Redonner la vue aux aveugles. Renvoyer libre les opprimés. Renvoyer libre les opprimés. Renvoyer libre les opprimés. Proclamer l'année de grâce du Seigneur. Donc, selon les passages que nous avons mentionnés tout à l'heure, nous nous rendons compte que il y avait six choses qui devaient caractériser le ministère de Jésus en tant qu'évangéliste. Donc, prêcher l'évangile aux pauvres, guérir ceux qui ont les cœurs brisés, prêcher la délivrance aux captifs. Donc, recouvrir la vue aux aveugles, rendre libres les opprimés et proclamer l'année de grâce du Seigneur. Amen. Amen.
Donc je crois que ceux qui ont un ministère évangélique savent un peu à quoi leur ministère doit ressembler, à quoi leur appel en tant qu'évangéliste doit ressembler. Il y a un détail qu'il faut souligner, c'est que dans Ésaïe chapitre 61, Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, car il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle, ainsi de suite. À la fin, il dit, prononcer une année de vengeance de l'Éternel. Ésaïe a parlé de la vengeance de l'Éternel. Ouvre un peu Ésaïe 61, verset 1. Une vengeance de l'Éternel. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ vient citer Luc chapitre 4, il vient citer Ésaïe dans Luc chapitre 4, Jésus-Christ ne dit pas que c'est une année de vengeance de l'Éternel. Il y a un détail que Jésus a enlevé complètement. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Lisez un peu Ésaïe. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Maintenant, lorsque nous lisons dans Luc chapitre 4, la partie où Ésaïe a dit un jour de vengeance de la part de notre Dieu, Jésus ne l'a pas dit. Jésus ne l'a pas dit. Donc, bon, si tu n'as pas encore fait ça, Jésus ne l'a pas dit. Donc, pourquoi? Jésus est venu avec la dispensation de la grâce. L'exemple à laquelle la parole de Dieu dit que nous sommes sauvés par la grâce. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et c'est au moyen de la foi que nous sommes sauvés. Donc, le jour de vengeance, ça ne veut pas dire que la prophétie qu'Ésaïe a donnée est fausse. La prophétie est bien vraie. Sauf que le jour de vengeance de Jésus-Christ, le jour de vengeance de notre Dieu, c'est lorsque Jésus-Christ va revenir. Et qu'il y aura ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon, la bataille de la fin de temps. C'est à ce moment que la vengeance de l'Éternel va s'exécuter. C'est à ce moment que la vengeance de l'Éternel va s'accomplir. Amen. Ok. Petit 4, l'appel de l'évangéliste. L'appel de l'évangéliste. Ok, Laura dit qu'elle ne savait pas. Je ne sais pas si les autres nous écoutent parce que. Ok. En fait, les prophètes dans l'Ancien Testament, on a distingué les prophètes majeurs et les prophètes mineurs en raison de leurs écrits. En raison de leurs écrits. Donc, il y a des prophètes qui ont plus écrit que d'autres. Dans l'Ancien Testament, il y a des prophètes qui ont écrit plus que d'autres. Et le fait que ces prophètes aient écrit veut simplement dire qu'ils recevaient beaucoup de la part de Dieu. Ils recevaient vraiment, vraiment, vraiment de la part de Dieu. Et ils prenaient ce que Dieu disait au sérieux pour mettre ça sur écrit. Tu vois un peu, donc on les a appelés les prophètes écrivains. Les prophètes écrivains. C'est vrai qu'il y a les prophètes d'action ou les prophètes thaumatuges, il y a aussi les prophètes écrivains. Et parmi ces prophètes écrivains, il y a Ésaïe, Jérémie, Daniel, ainsi de suite. Donc, c'est en raison de la qualité de leurs écrits et du volume de leurs écrits qu'on a distingué les prophètes majeurs des prophètes mineurs. Et les prophètes majeurs, il y en a quatre. Il y a Ésaïe, il y a Jérémie, il y a Ézéchiel et il y a Daniel. Ce sont les quatre prophètes majeurs écrivains de l'Ancien Testament. Et les prophètes mineurs, il y en a 12. Il y a Joël, il y a Habakkuk, il y a Osée. Donc, tous les autres prophètes là, ce sont les prophètes mineurs parce qu'ils n'ont pas beaucoup écrit. Voilà, donc c'est la principale différence. Ok, petit 4, l'appel de l'évangéliste. L'appel de l'évangéliste. Ou alors tu peux mettre l'appel à l'évangélisation. L'appel à l'évangélisation. Amen. L'appel à l'évangélisation. L'appel à l'évangélisation. Quelle différence y a-t-il entre l'évangéliste et l'évangélisation? Quelle est la différence qu'il y a entre les deux? Est-ce que tout enfant de Dieu qui prêche l'évangile est un évangéliste? Est-ce que tout enfant de Dieu qui prêche l'évangile est un évangéliste? C'est une question que je nous pose. Est-ce que tout enfant de Dieu qui prêche l'évangile est évangéliste? Petit cas d'appel à l'évangélisation.
Question, j'attends les réponses, s'il vous plaît. J'ai l'impression que les gens veulent seulement faxer. Je vais prendre les notes. Question, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que le fait d'évangéliser les gars et les hommes fait de nous un évangéliste? Je nous donne 30 secondes. Si personne ne répond, on continue. D'accord, Laura a dit non. C'est Laura seule qui répond depuis. Je ne sais pas si les autres. Non, ils ne le sont pas, David Amiens. D'accord. Non, à mon avis, ok. D'accord, l'appel à l'évangélisation. Il existe deux dimensions de l'appel à l'évangélisation. Il existe deux dimensions de l'appel à l'évangélisation. Il existe deux dimensions de l'appel à l'évangélisation. Deux points. Premier tiret, l'appel spécifique. L'appel spécifique. L'appel spécifique. Amen. L'appel spécifique. L'appel spécifique se réfère à la personne. L'appel spécifique se réfère à la personne. Tous sont appelés à évangéliser. Très bien. Je sens que Laura sera major de sa promotion. L'appel spécifique se réfère à la personne. Entre parenthèses, l'évangéliste. L'appel spécifique se réfère à la personne, entre parenthèses, l'évangéliste. Entre parenthèses, l'évangéliste. L'appel spécifique se réfère à la personne, entre parenthèses, l'évangéliste. Point. L'évangéliste est une personne. L'évangéliste est une personne ointe par Dieu. L'évangéliste est une personne ointe par Dieu pour proclamer l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. L'évangéliste est une personne ointe par Dieu pour proclamer l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et conduire le peuple à la repentance, conduit le peuple à la repentance, virgule, au salut et à l'équipement des chrétiens pour la Missio Dei. C'est quoi la Missio Dei? Est une personne ointe par Dieu pour proclamer l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, amener le peuple à la repentance, au salut, et équiper les chrétiens pour la Missio Dei. Si cinq personnes ne trouvent pas la signification de la Missio Dei, on arrête le direct. Tout court. La Missio Dei. Vu sur cet aspect, Patricia Sonia dit la mission divine, Viviane et Yimi la mission divine, ça fait deux personnes. J'espère qu'il n'y a pas la tricherie qui se passe. Deux, il reste trois personnes. C'est quoi la mission Dei? Mission d'entre guillemets. Et équiper les chrétiens pour la mission Dei.
Il n'y a plus personne pour nous dire ce que signifie la mission D. S'il n'y en a pas, on va arrêter. On va continuer lundi. Il n'y a que deux personnes qui ont répondu. Patricia, Sonia et Viviane et Yimi. Laura, mission divine 3. David, Amia, mission divine 4. Afika, Kamé, bonsoir. Oh, tu sors d'où? Ça fait longtemps. Quatre personnes, reste une personne. Mission divine, d'accord. Ok, nous continuons. Donc, vu sur cet angle, le ministère évangélique est donc un office. Vu sous cet angle, le ministère évangélique est donc un office. C'est un office. Amen. Donc, la première dimension de l'appel à l'évangélisation, c'est l'appel spécifique. Amen. C'est l'appel spécifique. Lorsqu'on parle de l'appel spécifique, il s'agit d'une personne qui a été ointe par Dieu, consacrée par Dieu, appelée à ce ministère. Donc, ça veut dire qu'il entre dans la dimension des dons ministériels. Donc, l'évangélisation devient sa vie, en fait. L'évangélisation devient sa vie. C'est le siège qu'il est appelé à occuper dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, l'évangéliste, comme les autres, leur petit modèle mission divine, donc elle implique... ouais, Laura. Ok, l'évangéliste comme les autres cinq dons du ministère doit avoir un appel définitif de Dieu. Nous écrivons. L'évangéliste comme les autres cinq dons du ministère doit avoir un appel définitif de Dieu. Leur petit modèle. Donc, ma petite, tu as répondu quoi? Ah, ça. D'un enfant de 3 ans. Ces 3 ans-là, dans la révélation des ministères comme ça, là, c'est grave. L'évangéliste, comme les autres saints dons du ministère, doit avoir un appel définitif de Dieu. Point. Cet appel sera confirmé par le ministère prophétique. Cet appel sera confirmé par le ministère prophétique, apostolique et des anciens, virgule, et sera transmis par l'imposition des mains par l'assemblée des anciens. Cet appel sera confirmé par le ministère prophétique, apostolique et des anciens, virgule, et sera transmis par l'imposition des mains par l'assemblée des anciens. Ce don de ministère sera reconnu par le corps de Christ. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que le Seigneur m'a appelé, tu te lèves, tu lances, sans avoir reçu la confirmation. À chaque fois que Dieu a appelé un homme, il y a toujours eu une confirmation par la suite. Même le ministère de Jésus a été confirmé par des hommes. Il y a eu des personnes qui ont prophétisé au sujet de sa venue, au sujet de son ministère. Il y a des prophètes, la Bible nous fait comprendre qu'il y a des prophètes qui ont prophétisé jusqu'à toucher à la grâce. Il y a ce qu'on appelle les prophéties messianiques. Il y a Dieu lui-même qui vient annoncer Jésus-Christ. Dans le livre de Luc chapitre 3, après son baptême, les cieux se sont ouverts. L'Esprit de Dieu est descendu sous forme de colombe et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous voyons un Jean-Baptiste qui vient également confirmer le ministère de Jésus. Dieu étant Dieu pouvait dire, comme c'est mon fils, ok, tu fais le ministère, mais il a fallu qu'il y ait la confirmation d'un homme, qu'il y ait la confirmation des hommes. Nous voyons des personnes comme Siméon dans le temple,
qui ont vu Jésus ont dit, mes yeux ont vu aujourd'hui, mes yeux ont vu la promesse de Dieu pour Israël. Il dit que maintenant mon âme peut s'en aller en paix. Il a pris Jésus, il a consacré, il a élevé Jésus vers Dieu. Nous voyons également des personnes comme la prophétesse Déborah qui intercédait pour la venue de Jésus. Donc mon frère, ma soeur, quand même Dieu t'a appelé à un ministère, s'il te plaît, il faut attendre la confirmation. Je ne t'assure pas, il faut attendre, Dieu va confirmer ton appel par plusieurs autres personnes. Dieu va confirmer ton appel par des gens. Amen. C'est très très important. Donc cet appel sera confirmé par le ministère prophétique, apostolique, par les anciens et sera transmis par l'imposition de main par l'assemblée des anciens. Ce don du ministère sera reconnu par le corps de Christ. Deuxième tiret, la deuxième dimension de l'appel à l'évangélisation, l'appel pour les croyants. L'appel pour les croyants. Donc nous nous rendons, bon je vais parler de ça après, l'appel pour les croyants. L'appel pour les croyants. Chaque enfant de Dieu doit être un témoin de Jésus-Christ. Chaque enfant de Dieu doit être un témoin de Jésus-Christ. Chaque enfant de Dieu doit être un témoin de Jésus-Christ. Chaque enfant de Dieu doit être un témoin de Jésus-Christ. Même s'il y a un don du ministère spécial comme évangéliste, tous les croyants devront faire l'œuvre de l'évangélisation comme Paul le recommande à Timothée. Même s'il y a un don du ministère spécial comme évangéliste, tous les croyants devraient faire l'œuvre de l'évangélisation comme Paul le recommande à Timothée et comme Jésus nous le recommande. Matthieu 28, 18 à 19. 2 Timothée 4, 5. Acte 1, 8. Donc, même s'il y a un don du ministère spécial comme évangéliste, tous les croyants devraient faire l'œuvre de l'évangélisation comme Jésus le recommande à l'Église, Paul le recommande à Timothée. Matthieu 28, 18 à 19, si tu veux jusqu'à 20. 2 Timothée 4, 5. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc la principale raison pour laquelle le Saint-Esprit descend sur nous, ce n'est pas pour qu'on parle en langue. Le parler en langue est un signe évident de la présence du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Mais nous recevons le Saint-Esprit premièrement pour être des témoins. Pour être des témoins. Les témoins de qui? De Jésus-Christ. Pour être les témoins de Jésus-Christ. Amen. Donc, évangéliser, nota bene, évangéliser, c'est parler des œuvres de Jésus aux hommes, tandis que l'évangéliste est une personne consacrée à l'évangélisation. L'évangéliste est une personne consacrée, c'est un office. Amen. Dans le nota bene, même si tous les croyants doivent évangéliser, même si tous les croyants doivent évangéliser, l'évangéliste a l'onction spéciale pour l'évangélisation. Par conséquent, sera plus habile dans ce secteur du ministère.
L'évangéliste a l'onction spéciale pour l'évangélisation. Par conséquent, sera plus habile dans ce secteur du ministère. C'est bon? Connexion marche. J'appuie en disant au nom de Jésus-Christ. Donc même si tous les croyants doivent évangéliser, l'évangéliste a l'onction spéciale pour l'évangélisation, par conséquent sera plus habile dans ce secteur du ministère. J'espère qu'on peut bien établir la différence entre le chrétien qui évangélise et celui qui est appelé au ministère évangélique. Amen. Donc c'est sa fonction en plein temps. Il a été appelé à cet office pour servir Dieu. Amen. Dans ce couloir bien précis. C'est-à-dire c'est quelqu'un que Dieu appelle. Dieu dit je t'appelle à me servir en tant qu'évangéliste. Et on verse celui dont sont sur la personne, la consacre, c'est la personne débute son ministère. Et l'évangéliste peut avoir une église, il peut créer des églises, ainsi de suite. Amen. Mais non, ce n'est pas le cas pour le chrétien qui est simplement appelé à évangéliser. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Deux ou trois questions. Nous allons écrire exemple, cas Philippe. Exemple d'un évangéliste dans la Bible. Exemple, cas Philippe. Est-ce qu'il y a une question jusqu'ici? Sinon, moi, je vais nous poser une question. Ma question est la suivante. Pourquoi Jésus a demandé aux disciples d'attendre que le Saint-Esprit descende sur eux avant d'être ses témoins? C'est la première question, c'est quoi un témoin? C'est quoi un témoin? La première question, c'est quoi un témoin? Qu'est-ce qu'un témoin? De deux, pourquoi Jésus a attendu que le Saint-Esprit descende sur les disciples avant de les envoyer dans la mission, avant de dire vous serez mes témoins quand le Saint-Esprit va descendre sur vous? Pourquoi? Si vous avez également des questions, je vous suis, oui. Donc je vous écoute. Voilà, voici mes questions. Tout le monde peut répondre, excepté Roland. Amen. Ah, bientôt fini, hein. Ce ne serait pas long. Donc, Il n'y a pas de questions. Est-ce qu'on est même ensemble? My God, je vois des gens connectés, mais c'est comme si on ne répondait pas. Est-ce qu'on est ensemble? Vous me recevez peut-être avec un léger retard. C'est quoi un témoin? Et pourquoi Jésus a demandé aux disciples d'attendre que le Saint-Esprit descende sur eux avant de faire de ses témoins? Pourquoi? Vous n'avez pas de questions? Nathalie dit, afin qu'il soit rempli et protégé par le Saint-Esprit. Pas faux. Pas faux, mais ce n'est pas la principale raison. Un évangéliste peut-il consacrer un prophète ou les autres appels? Est-ce qu'un évangéliste peut consacrer un prophète ou les autres appels?
C'est une question assez délicate, mais ça dépend de la forme que vous avez attribuée à votre ministère et des règlements ou des principes que vous avez établis également. Ça veut dire, nous avons vu les trois formes de ministère. Nous avons vu l'église congrégationaliste, l'église presbytérienne, ainsi de suite, et l'église pyramidale. Si l'homme de Dieu qui a mis sur pied un ministère, par exemple, un homme de Dieu met sur pied un ministère, et que bon, celui le leader du ministère, le visionnaire du ministère, et que sous lui il y a des fils que Dieu a élevés comme prophètes, apôtres, il peut les consacrer. Là, la relation va de père à fils spirituel que Dieu a appelé dans le ministère. Il peut les consacrer. De deux, si l'église est congrégationaliste ou alors presbytérienne, ça veut dire l'église est gérée par un collège d'anciens. N'oubliez pas que les pasteurs, prophètes, ainsi de suite, tous sont appelés anciens épiscopaux. Ça veut dire qu'ils sont des anciens. Au-delà d'être pasteurs, ainsi de suite, ils sont d'abord des anciens. Donc, ça veut dire que le collège d'hommes de Dieu peut consacrer celui-là qui est appelé comme prophète. Et si l'évangéliste est parmi, donc il consacre avec le statut d'ancien. Avec le statut d'ancien. Amen. C'est très important. C'est très, très, très important. C'est très important. Mais, c'est souvent mieux. L'idéal serait que lorsqu'on consacre un évangéliste, que ce soit un évangéliste majeur, qui verse l'huile sur sa tête. L'idéal serait que lorsqu'on consacre un prophète, que ce soit un prophète majeur qui verse l'huile sur sa tête. Ou alors peut-être un apôtre aussi, puisque l'apôtre touche un peu les autres dons. Parce que si je suis prophète et que je me fais consacrer par l'évangile, la consécration, écoutez-moi très bien, la consécration, ce n'est pas seulement de venir verser l'huile sur la tête de quelqu'un et dire que tu appartiens à Dieu. Ce n'est pas seulement ça. Dans la consécration, il y a une transmission d'onction et de grâce. Il y a un transfert. Il y a un transfert. Ça veut dire que si on me consacre, il faudrait que celui qui me consacre soit mon père ou alors une personne qui opère dans le même couloir que moi. Même s'il y a un collège d'anciens qui m'impose les mains, il faudrait que celui qui verse celui sur ma tête qu'il puisse opérer dans mon ministère. C'est de ça qu'il est question. Si c'est ton père spirituel, il n'y a pas de souci, parce que le père peut consacrer le fils, peu importe son ministère. Le père peut consacrer le fils. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais maintenant, lorsqu'on est consacré ailleurs ou par un collège, je ne sais pas trop, il faudrait que ce soit une personne qui, je ne sais pas, dont tu opères dans le ministère. Je vais prendre un exemple très simple. Paul dit à Timothée ceci, hein. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été transmis par imposition des mains par le collège des anciens. Donc ça veut dire que la consécration n'est pas seulement de verser l'huile sur quelqu'un qui commence au ministère. C'est également le fait de transférer les grâces, impartir les grâces à quelqu'un. Amen. Donc c'est très, très, très capital. Donc c'est le fait d'impartir les grâces à quelqu'un. En tant que père, je peux oindre mes enfants. Ça c'est clair. En tant que père, tu peux oindre tes fils et tes filles. Quel que soit leur appel, tu les relâches dans le ministère. Mais si tu n'as pas de père, si tu veux être consacré, cherche une personne qui opère dans ton couloir. C'est très, très important. C'est très important. Amen. Ok, Laura dit, Nathalie dit d'abord, ne va pas en guerre sans armes, ni munitions, ni bouclier de protection. Voilà mon avis pourquoi elle leur a dit. Oui. Attendre parce que Jésus voulait les revêtir de puissance. Oui. Pour braver aux obstacles, aux tentations. Oui. Un témoin, celui qui témoigne, retransmet ce qu'il a vécu. Le Saint-Esprit a, Patrice a bien commencé, mais la fin, le Saint-Esprit a pour but d'accompagner et de fortifier l'évangéliste. D'accord. Vos réponses sont vraies, mais ce n'est pas la raison fondamentale. Amen. Ok, nous allons continuer le cas Philippe. Je vais venir répondre plus tard. Cas Philippe. Philippe est l'exemple d'un évangéliste du Nouveau Testament. Philippe est l'exemple d'un évangéliste du Nouveau Testament.
Acte 21, verset 8. Philippe est l'exemple typique d'un évangéliste du Nouveau Testament. Acte 21, verset 8. Nous écrivons, il y eut un temps de préparation dans la vie de Philippe avant qu'il commence à opérer dans le don du ministère comme évangéliste. Témoin, alors on a, je n'ai pas lu. Témoin veut dire confirmer ou dire ce qu'on a vu et entendu. Très très bien, très bonne réponse. 10 sur 10. Donc la 6 sera major. Il y eut un temps de préparation dans la vie de Philippe. Waouh, il nous reste 10 minutes. Il y eut un temps de préparation dans la vie de Philippe avant qu'il commence à opérer dans le don du ministère comme évangéliste. Est-ce que Denis Descartes est là? Je ne le vois pas. Je vois qu'il y a quelques personnes qui m'ont signalé l'absence, leur indisponibilité pour ce soir. Il y eut un temps de préparation dans la vie de Philippe avant qu'il commence à opérer dans le don du ministère comme évangéliste. Premièrement, un diacre. Donc, Philippe était d'abord diacre avant de recevoir l'appel comme évangéliste à plein temps. C'est quoi un diacre? Qu'est-ce qu'un diacre? Qu'est-ce qui signifie diacre? Il y eut un temps de préparation dans la vie de Philippe avant qu'il commence à opérer dans le don du ministère comme évangéliste. David Amia, je vous en prie. Premièrement, un diacre. Acte 6, verset 1 à 6. Acte 6, verset 1 à 6. Premièrement, un diacre. Acte 6, verset 1 à 6. Je vais lire. En ce jour-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. C'est quoi les hellénistes? Question aussi. Les hellénistes, on lit dans la Bible les hellénistes, ce ne sont pas les femmes qui s'appellent Hélène. Voilà, donc, murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquaient alors la multitude des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage rempli de l'esprit et de sagesse. Et nous les chargeons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, en plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. C'est quoi un diacre? Et c'est quoi un helléniste? H-E-2-L-E-N-I-S-T-E. Facebook l'a bloqué. C'est quelle sorcellerie ça? Ok, nous écrivons. Nous allons finir cette partie aujourd'hui. Dans ce passage, dans Acte 6, verset 1 à 6, nous voyons plusieurs choses en préparation. Bonsoir Nadège Claire, bienvenue. Dans ce passage, nous voyons plusieurs choses en préparation. Là que c'est important d'avoir deux comptes. Je vous encourage même d'avoir de créer un deuxième compte. C'est-à-dire, il y a un compte avec lequel vous partagez. Là, si vous bloquez, c'est les premiers là-bas. Parce que c'est que on bloque souvent de façon temporaire, je crois bien. Dans ce passage, nous voyons plusieurs choses en préparation dans la vie de Philippe avant qu'il commence ses fonctions dans le domaine du ministère. Dans ce passage, nous voyons plusieurs choses en préparation dans la vie de Philippe avant qu'il commence ses fonctions dans le domaine du ministère. Nous devons comprendre qu'il y a toujours un temps
entre l'appel et la manifestation. Donc il y a ce qu'on appelle la préparation avant la manifestation. En d'autres termes, ta manifestation est fonction de ta préparation. Même lorsque Luc chapitre 1 verset 80, la Bible dit que l'enfant grandissait en statue, en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Dans Luc chapitre 2 verset 40, on parle de Jean-Baptiste qui grandissait en grâce, en statue devant Dieu jusqu'à il était dans le désert jusqu'à ce qu'il paraisse devant tout Israël. Donc il y a toujours un temps de préparation avant de se manifester. Et plusieurs personnes, lorsque nous écoutons la voix de Dieu, dès que Dieu se révèle à toi, je t'appelle comme évangéliste, comme prophète, le lendemain, tu as déjà ouvert le ministère, tu as lancé le ministère. Tu n'as pas été enseigné par le Saint-Esprit, tu n'as pas été enseigné par Dieu, tu n'as pas été à l'école du mentorship, tu te lèves comme ça, tu lances le ministère parce que Dieu t'a parlé. C'est la sorcellerie. Et ce sont ces personnes qui créent des scandales dans le corps de Christ, des scandales à l'église. On ne sait même pas ce qu'ils prêchent, ce qu'ils enseignent. Ils n'ont même pas encore fini de lire la Bible, mais ils veulent aller prêcher la Bible aux gens. C'est très dangereux. Amen. Donc nous voyons plusieurs choses en préparation dans la vie de Philippe avant qu'il commence ses fonctions dans le domaine du ministère. Premier point, il était engagé. Il était engagé. Amen. Il était engagé. Il était engagé. Il était engagé. Philippe était engagé dans l'église locale de Jérusalem. Philippe était engagé dans l'église locale de Jérusalem. Philippe était engagé dans l'église locale de Jérusalem. Virgule. Plus tard, l'église de Césarée devient son église locale. Philippe était engagé dans l'église locale de Jérusalem. Plus tard, l'église de Césarée, C et accent aigu, S A R et accent aigu E muet. Philippe était engagé dans l'église locale de Jérusalem. Plus tard, l'église de Césarée devient son église locale. Regardez les dimensions des préparations de Philippe. La première chose que la Bible nous dit, c'est que Philippe était engagé dans son église locale. Donc, diacre veut dire serviteur. Diacre veut dire serviteur. Et les hellénistes, c'étaient les Grecs qui vivaient en Israël et qui avaient adopté les cultures, qui avaient confessé Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ce sont ceux qu'on appelle les hellénistes. C'est-à-dire, ce sont les Juifs. Donc, les hellénistes étaient. L'expression helléniste était utilisée pour caractériser les Juifs d'origine grecque. Ou alors les Grecs qui avaient confessé Christ ou qui avaient adopté la religion juive. Ce sont eux qu'on appelait les hellénistes. Amen. Et diacre, on a dit que diacre veut dire service. Donc diacre veut dire serviteur. Amen. Donc Philippe était premièrement engagé. Écoutez-moi très bien. J'ai parcouru la Bible de Genèse à Apocalypse et je me suis rendu compte que Dieu utilise toujours les succès. Dieu utilise les succès. Dieu utilise les succès, Dieu utilise les personnes qui ont en elles la semence de l'engagement. Dieu utilise les personnes qui ont en elles la semence de l'engagement. En d'autres termes, c'est lorsque Dieu voit une semence en toi qu'il décide de transformer cette semence en un arbre. Parce que la semence est appelée à devenir un arbre et l'arbre va produire des fruits. L'arbre va produire les fruits. Ça veut dire que quand Dieu nous regarde, Dieu regarde en termes de fruits. Donc Dieu regarde en termes de fruits. Dieu regarde en termes de fruits. Et si nous n'avons pas de semences à l'intérieur de nous, nous ne pouvons pas produire des fruits. C'est très 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 important. Nous devons comprendre cela. Donc quand Dieu regarde à nos cœurs, Dieu regarde aux fruits que nous sommes appelés à porter dans le but de nourrir les nations. Donc c'est quand Dieu voit les succès, c'est quand Dieu voit l'engagement qu'il décide de transformer la semence qui est en nous en un arbre fruitier. Rappelez-vous, lorsque Dieu appelle Moïse au ministère, Dieu a vu en Moïse la semence d'un libérateur. Dieu a vu en Moïse la semence d'un libérateur.
Dieu appelle les gens qui sont en train de faire quelque chose par la raison du zèle. Dieu appelle les gens qui sont en train de faire quelque chose sur l'impulsion de leur amour pour Dieu et du zèle qu'ils ont pour les affaires de Dieu. Donc, Dieu appelle Moïse lorsque Dieu a vu la sémence de libérateur à Moïse. La Bible fait comprendre qu'un Égyptien est en train de lutter contre un Hébreu et Moïse a sauté sur l'Égyptien. Nous voyons là la sémence d'un libérateur, le libérateur de son peuple. Lorsque Dieu a vu cette sémence, Dieu a transformé la sémence en un arbre. Lorsque nous regardons à Joseph, Joseph était engagé dans sa famille parce que c'est lui qui donnait les renseignements à son père sur le comportement de ses frères. C'est lui qui partait donner de la nourriture à ses frères. Vous voyez que donc Dieu, donc Jacob envoyait Joseph donner déjà de la nourriture à ses frères. Donc Joseph apportait la nourriture à ses frères qui faisait perdre le troupeau. Et quand Dieu a vu la sémence, il a transformé la sémence qui était en Joseph en un arbre. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que les frères de Joseph sont allés vers Joseph à cause de quoi? À cause de la nourriture. Donc Joseph a été élevé pour être une solution au problème de la famine. Moïse a été élevé pour être un problème aux solutions de la captivité. Donc c'est en fonction de la sémence qu'ils avaient que Dieu était en train de les utiliser. Lorsque nous regardons à David, c'est la même chose. Dieu a vu l'engagement dans le cœur de David. Rappelez-vous que David était berger. David était berger où? En brousse. Donc il y avait un engagement à perdre le troupeau de son père. Et la Bible fait comprendre que David était beau de figure, il était beau d'apparence. Écoutez-moi, la parole de Dieu nous fait comprendre que, en principe, humainement parlant, lorsque quelqu'un est berger, la personne va sentir l'odeur des animaux qu'il paie. Ça c'est clair, la personne sent l'odeur des animaux qu'il paie, la personne va se négliger. Mais David était beau, David, vous voyez que David était engagé dans ce qu'il faisait. David aimait ce qu'il faisait. Donc David était engagé. Et lorsque Dieu a vu l'engagement du leadership dans la vie de David, Dieu a élevé David en fonction de son engagement. Dieu a transformé la sémence en arbre. La même manière, quand Dieu appelle Jacques et Jean, fils de Zébédée, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de pécher avec leurs pères. Et Jésus vient, il les voit en train de pécher. Il dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. La même chose avec Simon qui était en train de pécher. Jésus a vu l'engagement. Simon a péché pendant toute la nuit sans rien prendre, mais il n'a pas quitté la rivière parce que même le matin, il était là. Il était en train de là. Même le matin, il était là. Lorsque Jésus le rencontre, Jésus lui demande maintenant de pécher. Lorsqu'il pêche, Jésus dit, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Lorsque nous regardons à Gédéon. La Bible dit que Gédéon partait battre le froment ou dans le camp des Madianites qui les menaçaient. Par exemple, là, que Dieu lui a donné l'onction de la guerre, l'onction du commandement. Pendant que ses frères se cachaient dans les ravins, des rochers, ainsi de suite, Gédéon partait plutôt battre le froment. Et vous vous rendez compte que Dieu a appelé également Gédéon comme un libérateur, comme un guerrier, comme un combattant. Donc c'est en fonction de l'engagement, de la sémence que Dieu a vu, que Dieu a décidé également de les utiliser. Amen. Deuxième niveau de préparation, c'est la bonne réputation. Premièrement, il y a l'engagement. Il était engagé. De deux, Philippe avait une bonne réputation. Une bonne réputation. Une bonne réputation. Philippe a prouvé aux gens de son église Philippe a prouvé aux gens de son église qu'il était un homme de caractère et d'intégrité. Qu'il était un homme de caractère et d'intégrité. Écoutez-moi très bien. Ce que je suis en train de dire tout à l'heure, ce n'est pas seulement pour les évangélistes. Tu vas comprendre que voici les points que nous sommes en train de lister. Ce sont les caractéristiques des hommes que Dieu utilise puissamment. Ce sont les caractéristiques des hommes que Dieu utilise puissamment.
Philippe a prouvé aux dirigeants de son église qu'il était un homme de caractère et d'intégrité. Le troisième point, rempli de l'esprit. Rempli de l'esprit. Nous allons étudier le cours sur le Saint-Esprit, la pneumatologie. Rempli de l'esprit. Amen. Je dis Amen comme un fois qu'on voulait. Amen. Et Zaline enseignement école du ministère. Yes. So, Zambé Nangaï, Zambé Namakosi. Amen. Rempli de l'esprit. Prochain point, il avait une sagesse éprouvée. En d'autres termes, il était un homme de sagesse. Il avait une sagesse éprouvée. Prochain point. Il avait un cœur de serviteur. Il avait un cœur de serviteur. Je n'ai pas envie d'entrer dans trop d'explications parce qu'il faut qu'on écrive. Il avait un cœur de serviteur. Un cœur de serviteur. Philippe avait un cœur de compassion. Philippe avait un cœur de compassion. Philippe avait un cœur de compassion qui répondait aux besoins de ceux qui étaient dans le besoin. Qui répondait aux besoins de ceux dans le besoin. Permettez la répétition. Il avait un cœur de compassion qui répondait aux besoins de ceux dans le besoin. Il était un homme humble, prêt à servir les autres. Wow, on va finir dans quelques 3 minutes. Il avait un cœur de compassion qui répondait aux besoins de ceux dans le besoin. Il était un homme humble, prêt à servir les autres. Un homme humble prêt à servir les autres. Le prochain point. Il était soumis à l'autorité. Soumis à l'autorité. Soumis à l'autorité. Soumis à l'autorité. Philippe apprend à gouverner. Philippe apprend à gouverner en autorité. Philippe apprend à gouverner en autorité en étant premièrement soumis à l'autorité des anciens. Philippe apprend à gouverner en autorité en étant premièrement soumis à l'autorité des anciens. Écoutez, je vous dis quelque chose. Si tu veux être une autorité, tu dois te soumettre à une autorité établie par Dieu. Si tu veux être une autorité spirituelle, tu dois te soumettre à une autorité que Dieu a établie. Le fait d'avoir l'onction de manifester les dons plus que ton leader ne veut pas dire que tu es plus grand que lui. Et c'est l'une des erreurs que plusieurs personnes commettent de nos jours. C'est-à-dire que lorsque Dieu commence à nous utiliser, pour toi c'est que tu es plus grand que les autres. Faisons très très attention. Avoir le don de prophétie ne fait pas de toi un frère supérieur aux autres. Avoir le don de guérison ne fait pas de toi un frère ou une sœur supérieur aux autres. Chacun de nous tient de Dieu un don particulier.
Plusieurs personnes veulent être des géants spirituels, mais ne veulent pas se soumettre à des autorités. Le secret de la force et du ministère d'Élie, d'Élisée, c'était sa soumission à Élie. Samuel s'est soumis au sacrificateur Élie. Élisée s'est soumis au prophète Élie. Josué s'est soumis à Moïse. Timothée s'est soumis à Paul. Paul s'est soumis à Gamaliel et à Ananias que Jésus a envoyé. Il a enseigné Paul pendant 3 années. Tu es soumis à qui? Donc, Dieu va lorsque tu es un grand ministère, Dieu va toujours t'envoyer te soumettre à quelqu'un. Et c'est à partir de là que tu vas apprendre. Tu vas apprendre de ses expériences. Tu vas apprendre également de ses erreurs. Lorsque Dieu te connecte à une personne, ce n'est pas pour que tu apprennes uniquement de ses succès. C'est pour que tu apprennes également de ses erreurs. Parce qu'il y a des erreurs que le Seigneur va permettre que les pères fassent afin que les fils ne le fassent pas demain. Le fait de manifester certaines grâces ne fait pas de toi un être supérieur à ton père. Et ce qui se passe de nos jours, lorsque quelqu'un a un peu, manifeste un peu, tu sais un peu bien prêcher, là tu commences. Medjawan, des seigneurs apostoles, des seigneurs mots, des seigneurs médias, prophètes. Ton leader dit que fais ceci, non je ne fais pas, assure-toi si je ne fais pas. Lorsque tu vois un pasteur ou ton leader prêcher, tu dis que celui-ci raconte même quoi, amaf. Si on me met là, je vais chauffer l'atmosphère, 15 minutes, le rema, surtout quand tu as une nouvelle révélation. Oh, man, takabaya. Non, le pasteur, s'il en donne les chrétiens, si on me donne le pupitre seulement les 15 minutes, il va confirmer que Dieu m'utilise. Je me demande, quand il voit certaines femmes qui sont là, qui dirigent, non. Tu peux être plus haut que ton leader, mais ça ne te rend pas supérieur à lui en autorité. Écoute-moi très très bien. Toute personne que Dieu a appelée, Dieu a envoyé la personne se soumettre à quelqu'un d'autre. Même lorsque Jésus appelle les disciples, il les amène à se soumettre à lui pendant 3 ans et demi. Ce sont les personnes qui se soumettent aux autorités que Dieu utilise. Ce sont des personnes qui se soumettent à l'autorité que Dieu utilise. Est-ce que vous savez que lorsque Dieu a dit à Moïse de se présenter sur la montagne, qu'il allait prendre l'esprit qui est sur Moïse et le répandre sur 70 anciens. Est-ce que vous savez que Josué n'était pas parmi? Josué n'était pas parmi ces 70 personnes. Josué n'était pas parmi. Mais Josué était soumis à Moïse. Il était serviteur de Moïse. Lorsque Moïse meurt, Dieu n'est pas parmi prendre l'une des personnes. Dieu ne peut pas prendre l'une des personnes qui a reçu l'esprit de Moïse. Mais Dieu va prendre celui qui a été soumis à l'autorité de Moïse. Ça veut dire que Moïse peut t'imposer les mains. Tu commences à opérer dans certaines grâces. Mais le jour où Moïse meurt, ce n'est pas toi qui le remplace. Celui, ceux qui remplacent les Moïse sont ceux qui ont servi les Moïse. C'est pour cela que lorsque Dieu appelle David, Dieu ne l'introduit pas une fois à la royauté. Dieu l'envoie se soumettre à une personne, en celui dont David est censé être demain. David était appelé à être roi. Il fallait qu'il se soumette à un autre roi. C'est là où Dieu crée. Dieu envoie un esprit méchant sur Saül. Lorsque Dieu envoie l'esprit, ça donne l'occasion à David de se présenter au palais et de voir comment ça se passe. David allait se soumettre à l'autorité de Saül. Pour apprendre ce que Saül avait de bon et apprendre à partir de ce que Saül avait de mauvais également. C'est-à-dire que lorsque Dieu te connaît à quelqu'un, lorsque tu te soumets à quelqu'un, les faiblesses de la personne sont tes enseignements. Les erreurs de la personne sont ses enseignements. Ce n'est pas seulement lorsqu'il te fait asseoir pour te parler. Ce n'est pas seulement lorsqu'il te fait asseoir pour t'enseigner. Mais même à travers son parcours, tu es enseigné. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu, le prophète Élie, dans la Bible, a fait 7 miracles. La Bible mentionne 7 de tous les miracles. Élie a fait 7 miracles. Lorsque Élisée
demande l'onction qui est sur Élie, il demande la double portion. Élisée, lorsque vous comptez les miracles qu'Élisée a fait, Élisée a fait 14 miracles. Ça veut dire qu'Élisée a fait le double de ce que Élie a fait. Nous voyons comment Moïse également n'a pas pu faire entrer le peuple dans la terre promise. Mais c'est Josué qui fait entrer le peuple dans la terre promise, qui renverse les ennemis, les géants, et qui fait la distribution des terres. Mais lorsque Jésus vient sur la montagne de la transfiguration, ce ne sont pas ceux qui ont fait plus de miracles que les pères qui étaient conviés. Au sommet des géants, les fils ne sont pas convoqués, ce sont les pères. Tu as fait plus de miracles que ton père, tu as accompli ce que ton père n'a pas pu faire, mais lorsque Dieu veut agir dans une dimension gouvernementale ou internationale, il traite avec les pères, pas avec les fils. Lorsque Jésus est descendu, c'était Moïse et Élie qui étaient là, alors que Josué et Élisée ont fait plus que ces deux personnes. Donc faisons attention, ce sont les pères qui assistent au conseil de la divinité. Nous voyons un Philippe qui était soumis à l'autorité. La seule personne qui ne sait... Regardez celui qui ne s'est pas soumis à l'autorité. Saül. Regardez comment Saül a... Regardez la fin de Saül. Regardez comment Saül est fini parce que Saül ne s'est soumis à aucune autorité. Jusqu'à Saül est devenu... Il part consulter les devins. On invoque l'esprit de Samuel, ainsi de suite. Frère. Tu t'es soumis à qui? Amen. Le prochain point, éprouver dans le service. Éprouver dans le service. Je vais m'arrêter ici. Éprouver dans le service. Éprouver dans le service. Nous parlons de l'évangéliste Philippe. Hein? Éprouver dans le service. Éprouver dans le service. De nos joies d'épices que, mais dès que il commence même pas à voir, ah, calme, ce que Daddy fait là, moi-même, j'ai fait ça, donc il va me marcher avec quoi. J'ai des personnes, il y a des personnes comme ça, pour qui j'ai prié, j'ai enlevé ma veille, j'ai déposé le manque de soi. Dès qu'ils ont commencé à voir dans l'esprit, à opérer dans le surnaturel, bienvenue le mépris. Je suis déjà arrivé à Carles. C'est la jalousie, mes jalousies, il me combat, il me combat. Comment quelqu'un qui enlève son manteau dépose sur toi, dit fais au-delà de ce que Dieu fait, moi, tu commences à dire que la personne te combat. Tu commences à voir qu'on te combat. Dès que tu as un peu dans son de grâce, tu vois que tout le monde te combat, tout le monde est ton ennemi. Éprouvé dans le service. Avant que Philippe commence à opérer comme évangéliste, il a premièrement fait ses preuves comme diacre dans son église locale. Amen. Donc avant d'entrer pleinement au ministère évangélique, il était d'abord diacre, il était d'abord serviteur dans son église locale. Donc il était éprouvé dans le service. Parfois tu peux avoir un grand appel. De prophète, d'apôtre, évangéliste, machin et tout. Tu vas te retrouver avec un homme d'esprit. Tu auras l'impression qu'il te néglige. Je ne te néglige pas. Parfois on t'éprouve dans le service. Tu sais que mon domaine là, c'est le prophétique, c'est la prédication, c'est le charme. On va t'envoyer la belle étoile de l'église. Tu vas dire que non, on ne reconnaît pas mon don. Non. C'est vrai qu'il y a certains hommes de Dieu qui ne veulent pas que tu viennes leur raver la vedette dans leur ministère. Mais maintenant, il y a ceux qui vraiment ont un fardeau pour vous, ont une vision pour vous, ont des rêves pour vous. Ils ont des projets pour vous, pour votre vie, avec vous. Quand il y a des personnes de se t'éprouver, sois sage. Amen. Sois sage. Parfois on éprouve les gens. Un jour, il y a mon frère, mon grand frère qui devait, qu'on avait programmé pour prêcher dans leur assemblée. Un dimanche, il allait prendre un programme de jeûne et de prière. Il s'est préparé. Que non, Seigneur, le dimanche, ça va chauffer.
Et tout ça va chez non, il a prié, 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 Saint-Esprit, manifeste Saint-Esprit. Il arrive le dimanche dans son costume, tout s'apprêtait à prêcher. Le pasteur est monté, comme s'il voulait lire les annonces. Le pasteur a prêché sa chose tranquillement, sans même le gérer. Lorsque le pasteur est monté, mon frère a rangé sa veste, l'a boutonné, bien même il a pris la Bible, il a tout arrêté comme ça. Il s'apprêtait à ce qu'on l'appelle pour l'introduire. Il se rend compte que le pasteur lance l'adoration, il chante, il chante, il chante, dès qu'il finit de chanter. Il dit, aujourd'hui le message est tiré du livre de Luc. J'ai jeûné 7 jours. J'ai prié en langue, j'ai fait la nuit de prière pour que Dieu m'utilise. Pasteur, tu ne me dis même pas que tu m'as déprogrammé. Tu ne me le dis pas. Je viens découvrir comme ça. Imagine un peu. Entre temps, le pasteur a dit à sa femme et à certains anciens que regardez un peu l'aspect du visage du frère. S'il va se fâcher, comment il va se comporter? Parfois, on peut nous éprouver de la sorte pour voir quel genre de cœur tu as, pour voir si tu es rebelle ou pas. Qui, moi? Non, je ne peux pas. Ah, s'il te plaît, mon fils va passer les habits à laver. Non, papa. Moi, je suis venu sur la chaise spirituelle. Je ne suis pas ton domestique. Si c'est l'autre maman est là, tu veux m'exploiter. Faya. Nous n'avons pas compris certains principes. Dans 2 Rois chapitre 3, lorsque le roi d'Israël de Juda et tout partait pour faire la guerre au roi de Moab, ils ont cherché un prophète. Appelons Élisée. Le roi d'Israël demande, est-ce qu'il n'y a pas un prophète par qui on peut consulter l'Éternel? Le roi de Juda dit qu'il y a ici Élisée, celui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie, celui qui servait Élie. Oh my God! Lorsque Dieu appelle Josué, il dit, Josué, serviteur de Moïse. Josué, serviteur de Moïse. Si tu ne sers pas l'homme que Dieu a placé devant toi, tu ne pourras pas servir Dieu demain dans la fidélité. Parce que c'est ce que tu fais à l'autorité de laquelle tu dépends qui détermine ce que les gens te feront demain quand tu seras en position d'autorité également. Donc faisons preuve de maturité et de discernement. Amen. Nous allons arrêter ici pour ce soir. C'était très calme, très posé, mais quand tu vas réécouter, tu sauras qu'il y a des choses profondes qui ont été dites. Alléluia. D'accord, nous allons prier. Je vais prier pour toi et nous allons prendre rendez-vous samedi pour la soirée de délivrance. Samedi, on a soirée de délivrance, soirée prophétique et de délivrance. Amen. Ok, samedi par la grâce de Dieu. Alléluia. D'accord, je vais prier. Je vais prier pour nous. Père, au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ, je prie afin que tu bénisses ta parole dans nos cœurs ce soir. Que cette parole porte du fruit en abondance. Amène-nous davantage dans les profondeurs. Saint-Esprit, viens compléter ce qui a été dit. Viens renchérir ce qui a été dit. Continue à rendre ministère à ton peuple, Seigneur, même dans leur sommeil, au nom souverain et glorieux de Jésus. Je déclare que tu es candidat d'un miracle potentiel. Je déclare que tu es candidat d'une onction de révolution. Je déclare que tu es candidat du feu du réveil. Je déclare que tu es candidat de la prospérité instoppable. Je déclare que tu es candidat de la bénédiction pluridimensionnelle. Au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ, je bénis ta vie, je bénis ton cœur, je bénis ton destin, je bénis tes projets. Au nom souverain et glorieux de Jésus, que ta nuit soit une nuit de visitation, une nuit d'administration divine. Au nom de Jésus-Christ, pas de mauvais rêves, pas d'oppression, pas d'attaque. Au nom de Jésus, pas de cauchemar. Au nom souverain et glorieux de Jésus, tu es protégé, ta vie est sécurisée, ton étoile est couverte, ton destin est protégé. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Rendez-vous samedi lorsqu'il sera 20h pour notre soirée de délivrance et de prophétie. Alléluia. Si tu seras là, donne-moi 3 bons amen. Donne-moi 3 bons amen.
Nous lui rendons grâce à Dieu pour l'école. Nous lui rendons grâce à Dieu pour l'école. Je t'assure que tu n'es pas assis en vain. Tu n'es pas assis en vain. Amen. Tu ne prends pas les notes en vain. J'ai dit, l'école, si c'est seulement une personne qui peut saisir la vision et courir avec la flamme de cette vision, je serai content. Qu'après ma mort, que le jour Dieu va m'enlever, le jour où je vais partir, que Dieu vienne dire à une personne ici, lève-toi, c'est à toi que je donne le bâton du commandement. Oh my God, c'est le cri de mon cœur, c'est le cri de mon cœur, c'est le cri de mon cœur. Amen. Il faut qu'il y ait plusieurs prophètes gracias, qu'il y ait plusieurs Jésus. Amen. C'est important que lorsqu'il y a un problème qu'on appelle Afrika, Kamen, Adèche, Payos, Nathalie, Glorieuse, machin, tout, que les personnes n'aient même pas trop, je sais pas, l'envie de venir me voir. Pourquoi? Parce que tu es en train de manifester ce que le Seigneur a déposé en moi. C'est ça le ministère. C'est ça le leadership. Il est important de vous transmettre ce que Dieu a déposé en nous. Amen. Amen. Rendez-vous samedi. Que le Seigneur vous comble. Shalom, shalom, shalom. Passez une agréable nuit. Vous êtes bénis pour la vie. Amen.